mal. Les frères ne cessent d'être blessés. Au pays des mille et une nuits, les nuits sont longues. Parce que la guerre vient de commencer. Les tomahawks sont lancés. J'ai pensé que du sang pour du pétrole, c'était insensé. Mais l'Amérique est pressée. Et l'Irak n'est pas son premier essai. Quand j'entends USA, je me dis leur connerie. Quand est-ce qu'ils vont les cesser? Parce que se battre contre un peuple désarmé, c'est le principe de la lâcheté. Mais comme leur capitale a baissé, le monde il veut la sécher. Guerre de pouvoir et d'intérêt, c'est pas en une nuit que la démocratie atterrit. Je suis atterré, à force de regarder la télé, et la terre continue de tourner. Voyant tous ces pauvres maltraités, en retraité, en tant que traître, manip pour révolte ou pour apaiser nos consciences désinvoltes, faut l'admettre. Nous sommes des spectateurs, vivant loin des cris, des larmes et des pleurs. Une vraie rancœur, le cœur lourd, sentiment d'impuissance contre l'envahisseur. C'est B-52, son artillerie lourde. À Bagdad, les bombes grondent, entre en action, mais action égale réaction. Et boucherie pour boucherie, j'expose ma colère dans la plus pure des traditions. C'est pierre après prière, combat. Le mur des contestations, c'est l'intifada verbale. Écoute la fama, elle est frontale et générale. Marre des qu'un rit, leur monopole, leurs injustices, leur sauvagerie. Inch'Allah, ils attaqueront pas la Syrie. Mais merde, c'est eux les terroristes, sont sur les pacifistes. Aucune liberté d'expression pour leurs journalistes. Et ils accusent des islamistes, mais ils ne récolteront que le fruit qu'ils ont semé. 4000 civils tués, guerre propre, paradoxe, comme une seringue propre d'un tox. Guerre chirurgicale, tout ça c'est d'un tox. Mani, Nahna Islam, Rid Salam, avec ou sans Saddam. Mais plus sans cesse de couler sur les terres musulmanes. Allah irham akhwana. La collision a commencé pour la coalition. Mission butée, Saddam et les civils en prime. Crime de guerre à la télévision. Le soir je dors mal parce que j'ai des visions. Bagdad est en ruine, on attaque 7000 ans d'existence. À quoi ça rime? C'est un film où les acteurs dirigeants s'en foutent. Conscients qu'ils foutent leur bordel partout. Des attentats vous passent en plainte. On récolte ce qu'on sème après tout.